aujourd'hui, on se retrouve à Paris pour la troisième Coupe de France de la volaille. On a deux catégories cette année, un collège étudiant et un collège professionnel, donc avec trois finalistes dans chaque catégorie. Top départ. Évidemment, c'est des produits poulet toc que les chefs vont cuisiner aujourd'hui, qu'ils vont pouvoir sublimer de leur talent. On les laisse travailler et tout à l'heure, on va déguster et après, on va noter aussi bien la présentation, l'originalité et le goût des plats. J'aime beaucoup cuisiner la volaille. C'est assez technique, mine de rien, au niveau des cuissons, au niveau de pour défaire une volaille et tout ça, mais j'aime beaucoup. J'en avais travaillé cet été au restaurant et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire le concours et d'approfondir un peu mes connaissances sur ce produit. Ça a fait ressortir le meilleur de chaque participant et on s'est tous entraînés, donc c'était super. Il vous reste 5 minutes avant l'envoi. C'est fini. On a vu des belles choses, beaucoup d'interprétations très très différentes. J'ai été assez impressionné par rapport au niveau proposé, notamment des étudiants. Il y a une maturité assez incroyable, surtout sur certains plats, là. Ça fait plaisir à voir. C'est digne d'un étoilé Michelin. C'est vraiment d'une finesse, d'une délicatesse, d'une harmonie, d'un dressage incroyable. Vraiment, on s'est régalé. Très content, c'est mon premier concours, donc ça me donne envie de continuer et de me donner à fond. Ouais. Ça me fait plaisir parce que mon chef m'a dit que si je gagnais pas, ça servait à rien de revenir déjà. Et ça fait surtout plaisir d'avoir eu des compliments sur l'équilibre des saveurs de la part d'Éric Guérin que je tiens en estime. En fait, le concours, il doit pas servir maintenant dans l'instant présent, il doit servir pour demain, pour aller plus loin, pour savoir qui on est et où on veut aller. On dit que les jeunes manquent d'ambition. Moi, quand je vois ça, je me dis non, ça va.